démarche de groupe dans le passé, et puis un peu. POC, c'est ça le Ouais, groupe, donc. voilà, groupe de rock. Et puis plus solo maintenant. Solo ou avec les Icos qui m'accompagnent, quoi. Qu'est-ce qui fait qu'un jour on a envie, alors qu'on est dans une composition, un groupe, de vouloir voilà, se produire seul, ou c'est quoi? C'est l'écriture, c'est qu'est-ce qui... Pas vraiment l'écriture, parce que dans POC on avait la chance de quand même s'autoriser à faire des textes un petit peu, avec un petit peu de profondeur. Mais plutôt ce truc que en gros, de 20 à 30 ans, j'ai fait pas mal de rock, de scènes, de concerts et tout ça. Puis arrivé à la trentaine, je sais pas pourquoi, mais j'ai eu envie de, voilà, de ce que je faisais tout le temps, des petites chansons chez moi, dans ma chambre. Et puis je me suis dit, tiens, ben, je vais quand même, vu que le projet de groupe un peu faisait une pause. Je me suis dit, bah moi je vais pas m'arrêter pour autant, je vais faire des petits trucs, je vais aller tester. Donc j'ai fait un petit 5 titres. Je suis allé dans les Francofolies, dans le off, dans les rues, tout ça, pour jouer, pour tester, pour voir devant un public, voilà, qui serait un petit peu amateur de chansons, ce que ça donnerait, quoi. Et puis comme c'était pas mal, bah, je suis Ah oui, rentré chez moi, j'en ai fait d'autres, et puis un album, et puis voilà, que je fais cet album, il raconte quoi? moi. Toi? C'est un truc hyper égocentrique. Non, Ouais. il s'appelle, non, en fait, c'est voulu parce que justement, cette démarche de groupe que j'ai eue pendant 10 ans, où tu partages la création de la musique, pas forcément la création du texte, mais tu partages ton univers. Là, ce que je voulais, j'avais une soif de faire un truc hyper, voilà, pas un bilan, mais un truc, voilà, j'arrivais, je me dis, bon, qu'est-ce que je vais faire entre 30 et 40? Voilà, donc qu'est-ce que je suis à ce jour? Donc voilà, c'est un truc au-dedans, assez intimiste, assez C'est intime, ouais. replié. Comment on peut définir aujourd'hui ta couleur musicale, le monde musical de Bœuf? C'est entre rock et chanson. Ouais. Voilà, entre Brassens et Noirdaise, ou entre, je sais pas moi, voilà. C'est un peu les inspirations de Bœuf. Ouais, disons que tout ce qui est chanson française, c'est ce que j'ai écouté quand j'étais petit, à travers mes parents. Et donc, moi, ça a été ma culture perso, Ferrat, Brel, Brassens, voilà, Lama, même, enfin, pas mal de trucs chansons françaises. Et puis plus tard, après en grandissant, j'ai découvert, je sais pas, je suis passé par les Beatles, après j'ai écouté du Téléphone, Noirdaise, voilà, après pas mal de groupes, pas très connus d'ailleurs aussi, mais voilà quoi. Vu que je viens de l'école du rock, je suis passé par les petits bars en fait, Ouais. donc moi je suis reparti pas de zéro, mais je suis reparti d'en bas, donc avec ce projet Bœuf, je joue dans des petits lieux, donc dans des petits cafés-théâtres où les gens qui viennent dans ces lieux, mais comme sur ce festival, justement, c'est ça que j'ai trouvé chouette, ont une curiosité. Ils viennent pas forcément pour le nom, enfin j'espère, j'espère, mais voilà, ils viennent pas forcément juste sur le nom. Ils viennent parce que il y a une démarche de qualité et que voilà, ils se disent on risque de passer une soirée pas trop mal si on va voir ça, quoi. T'as enregistré donc là ton album aussi avec le ce, les ogres L'album de perso, ouais, l'album perso, ouais. régisseur son, c'était studio en tout cas, c'était celui qui a fait les ogres de Barbac. Ouais, qui a Tu t'es bossé sur. entouré quand même de... Ben en fait, le mec qui a fait les prises, il bossait à Paris dans un très gros studio qui est hyper réputé pour la chanson française, que ce soit les orgues de Barbac, les Hurlements de Léo, Benabar, enfin les trucs jazzy, les trucs classieux. Et en fait, on s'est rencontrés, et du coup, c'est lui qui a fait les prises de l'album. Et puis après, en fait, pour ce qui est du mixage, on est allé voir une autre personne qui s'appelle Lucas Chauvière, en fait, et qui a travaillé plus avec des choses. Alors là, par contre, c'est sur écoute de disque, en fait. Quand t'aimes un disque, tu dis qui c'est qui a mixé ça? Donc tu regardes, ah ouais, c'est lui, et puis t'as maintenant le disque, ah ouais, c'est encore lui. Donc en fait, tu D'accord, dis, ouais. putain, j'aimerais Ça bien qu'il me devient... mixe mon album. Pour toi, la chanson française actuellement, à nous. Au jour d'aujourd'hui, ça représente quoi, la chanson française? C'est vaste, il y a ce qu'on appelle la nouvelle scène avec des gens qui sont hyper connus, voire un peu trop matraqués, et il y a plein d'autres artistes. Et notamment là, quand je regardais la plaquette du festival, moi le truc qui m'a plu, c'est qu'en fait il y avait plein d'artistes qui n'étaient pas hyper connus par le grand public, et je trouve ça vraiment vraiment chouette
que voilà, qu'il y ait des vraies conditions, vous êtes une sacrée organisation dans le festival, il y a plein de choses. Donc voilà, moi je trouve ça chouette quoi. Ça fait 1 an et demi que l'album est sorti, donc ça fait finalement presque 2 ans qu'on enchaîne les concerts. Donc il y a des fois on joue dans des très gros lieux, des fois des lieux plus humbles. Et ce soir c'est un chouette lieu quoi. C'est quand même voilà, il y a des gens, j'ai pu constater qu'il y avait des gens sympas, sonos, tout ça, grosses sonos. Donc voilà, c'est assez agréable d'être accueilli dans ces conditions quoi. Pour toi, quel est le mot de la langue française que tu préfères? Un Ça, mot que j'aime bien, c'est peut-être. mmh. Peu, parce que enfin, je le trouve joli à prononcer. Et puis, ouais, non, je vais peut-être m'arrêter à celui-là. Peut-être. Sinon, ouais, j'aime bien, peut-être, doute. C'est des notions que j'aimais, en fait. Et celui que tu détestes le plus? Je sais pas s'il y en a, les gros mots, j'en dis plein, donc j'en déteste pas. Qu'est-ce que. Des mots, un mot que je déteste. Non, il y en a là-bas, je crois. Un mot que je comprends pas, ouais. J'aime pas trop les mots que Les je mots que tu comprends pas. comprends pas. Ouais, je suis obligé d'aller dans le dico chercher tout ça. Et il y en a plein, C'est donc. fascinant. Non, non, mais là, vraiment, non. Non, ouais, je bloque. Je sais pas te dire. Ouais, si je trouve. Je t'envoie ça. Je te Merci. dirai ça. Merci.